Ok, là on a écrapé un shiny, donc on s'en branle. Ok, donc ce ping est terminé. Ce ping est terminé. Faut arrêter de me faire pistolet à eau, ça m'arrangerait. Il y a une petite montagne là, mais je crois que ça vient plus de ça. Hein. Je pense pas que ça soit... Je pense pas que je puisse monter ici par ici. Je pense que je peux monter par ici, par là. Ouais. Ouais, par ici, je peux pas. Et je sais pas si quand j'étais par là, je suis monté par ici. Non, mais parce qu'il y a un mur entre les deux. Comment on va là? Par au-dessus? Je l'ai fait ça ou pas? Putain, ça me trigger, je suis pas sûr de l'avoir fait. Le château, une tout petit pont. Si, je crois que je l'ai fait, non? Ah, je sais plus. Ah! C'est quoi ce petit entrée là? Petite grotte. J'ai pas déjà fait ça? Ça ressemble, ouais. Je sais plus si j'en garde un bon souvenir. Je croyais qu'il y avait pas de boss. C'est le souvenir que j'en garde. Ok, nice. J'ai fait le plus important. Deux loot et le levier. Oh la vache. Ok, ouah, les pierres, elles sont THL. Hein. Elles sont THL, les pierres, les gars. Est-ce que j'ai tout loot ici? J'ai pas pu trop regarder, j'avoue. Je vais revenir en arrière, backstab. Comment il peut attaquer deux fois d'affilée? Faut aller où? Vous dites pas qu'il y avait que ça dans la grotte? Ah bah non, attends. Faut aller là en fait. Non! Ah non, il y a encore un levier. À quoi ça? Je suis HPI ou pas là? Ou je suis BPI? Mais attends, c'est pas la pièce du début ça? Je suis HPI? Let's go! Mais du coup, je suis pas allé tout droit. Espadron minerai météorique ancien. Ah, je suis sûr qu'il va y avoir que ça dans la... Ah oui, j'en étais sûr. Déjà, rien que ça, c'est pas mal. Hein. J'ai pas la force pour vous la tester totalement, je suis désolé. En PVP, l'autre... Ah oui, j'avoue qu'en PVP, le dashin, il fait mal. C'est quand que tu changes d'arme? Quand j'ai envie. C'est moi qui décide. J'ai pas envie. Je vais pas me forcer quand même. J'attends une autre rapière. J'ai le droit? Je veux une rapière.
Les loots sont randomisés ou pas? Non. Non, non, si par exemple je... Si l'arme que je viens de dropper t'intéresse, tu la trouveras exactement à l'endroit où je l'ai droppée. On est où là? On est en haut et je peux pas monter plus haut. J'ai envie de plus. Je laisse ce feu? Oh, mais en fait je peux descendre, c'est pas plus haut. C'est pas plus haut. C'est plus bas. Oh merde, je le tank là, non? Oh, j'espère qu'on peut descendre par ici cependant. Ouais, il y a un gros level design de fou, hein. Ils ont vraiment géré. Franchement, il est mieux que le jeu de base, hein. Au niveau du level design, c'est évident en plus. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était pas si ouf le jeu de base en level design d'ailleurs. Ça aurait été presque un des reproches, quoi. Est-ce que je peux descendre là? Là, c'est bon, là je tank là. Abuse. Je vous jure que le jeu de base, niveau level design, c'est pas mon préféré du tout, hein. En fait, comment dire, je leur avais pardonné parce que j'avais considéré qu'on pouvait pas faire un monde ouvert avec un level design aussi optique que Dark Souls 3. Le problème, c'est qu'avec ce DLC, ils ont réussi à allier les deux et du coup, j'en veux Elden Ring, en fait. Voilà, voilà comment ça se passe dans mon cerveau, en fait. Là, ils ont réussi à allier, dans un seul jeu, le level design de Dark Souls 3 avec la liberté d'Elden Ring. Ça, c'est vraiment leur plus grande prouesse. Le fort de la réprimande. Putain, j'ai pas réussi à monter les escaliers, je vais tout péter. Il y a une entrée là. Dark Souls 2, je sais pas. J'ai peur vraiment aussi que ça soit la limite, quoi. J'ai peur qu'on soit à la limite des problèmes. C'est-à-dire à chier en live, tu vois. Même si le 3, ça s'est super bien passé. Oh putain. Ah, fais chier, je fais que de couvrir là, j'ai besoin de loot là. Ok, nice. C'est un feu, ça? Putain. Je suis en train de me battre. Il y avait un feu juste à côté. Ah merde, ça fait respawn les mobs, non? Oh putain, je suis trop con, frérot. Je voulais fouiller ici un petit peu avant de partir. On sait jamais, genre. Un petit loot caché, là, tu vois, je... Je sais pas ce que je... Oh là là, oh les fils de pute. Regarde des chats. Mais je les connais comme personne, en fait. Bon, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Talisman de dragon de feu plus 3. Ok, donc résistance à feu rang max, on va dire. Est-ce qu'en passant par là, je fais la même chose? Oui. Donc là, il y a l'échelle. Là, il y a un gros coffre et le loot. Allez, dans l'autre sens, je fais d'abord le loot. Le gros coffre. Putain! On sait pas, on a avancé d'un. J'ai plus qu'à prendre le gros coffre. Ah, c'est pas facile. Hein. Moi, je sais pas en vrai. Je pense qu'il est ouvert. Hein. Ouvert? Ah oui, let's go. Petit à petit. Let's go. Bon, y a vraiment... Oh, what the fuck, le nombre. Et comment je remonte à l'échelle? Oh, oh. Oh. Oh, sa mère. Non, mais par contre, vous avez vraiment la dalle, hein. C'est une dingue. Bâtard. Petit bâtard. T'as vraiment la dalle, hein. Bah tu mourras. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Ok, je vois où on est. Oh non. Oh, c'est un boss. Oh non, je dois noyer de ça là. Mais ça me dit quelque chose. J'ai déjà noit, non? Il a d'autres attaques? Oh putain. Non, non, je l'ai pas fait celui-là. Ils l'ont mis là au hasard. Ah les gars, on parle de noit, hein. Et je dois enlever mon chapeau d'ailleurs. Putain, elle part vite, hein.
Ok, je commence à m'y faire. Je vais tenter une run instinct. Ok. Il a pas l'air d'avoir 50 000 attaques et surtout je crois que je lui fais extrêmement mal. Ah mais il se fait cancel. Oh la vache. C'est vrai que la cage commence à me saouler, mais bon. En fait, c'est plutôt que... Ouais, bon. Midlife quasiment. Ah, il doit avoir un bout de P2 peut-être. C'est vrai que si je mets des dégâts comme ça... J'ai plus de stamina. Ah c'est l'attaque... Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Ok, tout est normal. Mais j'ai un pigeon doré qui est bloqué dans la... Là, vraiment, ce genre de run, les gars, je perds vraiment 10 points de vie. IRL. J'étais là, j'étais tranquille aujourd'hui, j'avais 50 PV sur 55. Parce que j'ai pas dormi totalement, tu vois. Je suis passé à 45. J'ai rien compris. Boire la potion, ouais. Je vais boire la potion après cette run. À moins que ce soit la dernière XD. Sait-on jamais? C'est le double recoulement ou c'est le solo recoulement? C'était le solo recoulement. Le vrai. Ça va vous sinon dans le chat? C'est le double recoulement! Je suis sûr qu'il le fait deuxième fois. Ah non. Juste une grosse merde. Peut-être qu'il recoule selon ses envies. Là, il va solo recoulement, c'est sûr. Ok, j'avoue, parce qu'il faut que je l'avoue. Je pensais que 2 OB, 1 X était égal à stun. C'était dans mon livre de maths. J'ai visiblement eu très très tort. Oh, mon level. Oh, le fluide dans les doigts, là. Oh, mon Dieu. J'aimerais tellement pas qu'il y ait un boss qui me rencontre maintenant. Je vais en faire... Oh, putain, je vais l'enculer. C'est pas possible de... Mais on est d'accord, le problème c'est pas moi. C'est que franchement ils volent comme une poule. Il plane. Grand Max, il plane. Il est où ton démolos? Il est dans son classeur, frérot. Allez bim, ça dégage. Ça c'est un bon early ça. C'est l'early que tout le monde veut ça. C'est le cadeau que tout le monde aimerait à Noël. Et le meilleur second early, c'est le mid-game. Bon. Et vous vous rendez compte que je fais 3 fois ça, il n'y a plus de boss. J'ai rien à faire sur le papier. Ça veut dire que la run peut passer sur de la chance, en fait. Non, mais je suis focus. Je suis fatigué, les gars. Je travaille trop en ce moment.
J'ai encore raté les escaliers. La chance se provoque. Ok, je vais essayer de provoquer la chance. Eh hey, la chance, si tu penses que tu penses que tu es, vas-y mets-moi toute la malchance du monde, gros fils de pute, j'ai même pas besoin de toi la chance. Allez, viens la chance, je m'en branle de toi. Je suis avec malchance et je m'entends super bien avec lui. Non mais mec, ce qui s'est passé c'est une dinguerie là. Comment le premier coup il a pas touché en vrai? Allez la team, on se réveille. Je vous sens fatigué ce soir. Quoi? C'est assez? Allez. Oh petit fils de pute! Prends ça toi dans la Jaguar. Allez, tu te prends ça aussi. C'est pas terminé. Oh tu veux me faire le coup spécial? Je monte les escaliers. Allez t'es puni de coup spécial. Un crocodile fatigué est un crocodile dangereux. Il appartenu. 400 000 ! Cette merde ! Mais c'est une dinguerie par contre. Il y a une promo sur les cendres. J'avoue que c'est pas normal. Hein. Oh le vilain coffre. Oh j'ai l'impression d'avoir ouvert un coffre avec 50 rubis frère. Ok, c'est pas la fin du château fort, puisque bah, il restait en bas le trou à gauche. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans le trou. C'est quoi ça? Qu'est-ce que... J'ai l'impression qu'il y avait une grâce derrière, exactement. Mais ça n'aurait aucun sens. Il y a un trou, j'étais curieux. Oh, c'est juste un loot? Non. Il y a plus, mais ça n'a rien à voir avec le truc qui manque là-bas, j'ai l'impression. Ouah, rune de Marika, c'est quoi? Ouah, elle est énorme! Faut que je tue ce mob. Il a du loot, ok ok. La rune de malade. Vous voulez que je le tue? J'ai peur de pas y arriver. J'avais pas trouvé cet endroit. Putain mais heureusement que je suis en live pour tout fouiller hein. Quoi, il drop son arme, genre? Iris d'occultation à appliquer sur l'œil d'un autre pour le priver de toute lumière. Bon, me dites rien. Bon, j'essaie de retenir, ok? Là, je vois pas, mais j'essaie de retenir. Ah, ça mène vers l'extérieur? Eh, mais ça serait pas un... C'est pas le fuego que j'entendais de l'autre côté, en vrai? Y'a moyen de fou, mec.
Et du coup, je vais arriver à l'endroit que je voulais depuis le début, en fait. Donc au final, j'aurais juste... C'était bien le bas qui montait vers le haut, je crois. Je pense, hein. Non, ah, quoique, non. Peut-être pas. C'était où je voulais aller, moi. Non, c'est là-bas. Ah, non, non, hein. J'ai l'impression que ça va pas m'emmener à là où je voulais aller. Remets ton chapeau. Je peux remettre mon chapeau, ouais. J'étais sur un boss. J'étais sur un boss. Pardonne-moi. Effectivement, celui-ci étant terminé. Putain ! C'était juste pour revenir. Mais du coup, comment on va en face, en fait ? L'énigme est pas mal, en vrai, là. Le truc, c'est que je vois une échelle, là, je me dis... Est-ce que vraiment, c'est pas par l'extérieur ? Non, hein. Et derrière ? J'ai envie d'essayer d'aller derrière, aussi. Derrière une échelle, peut-être. Allez. Je le tank, non ? Oh putain. Oh la vache. Oh, bah, on le connaît ce mob, on l'a no hit. Je regarde s'il n'y a pas une échelle. Putain, il n'y a pas d'échelle, c'est la merde. Pourquoi il y a deux boss comme ça ici? C'est improbable en vrai. Bénédiction de Marika. Pourquoi il y a beaucoup de choses de Marika dans cette zone? C'est ouf en vrai. C'est rare hein, de voir autant de trucs de Marika. Il y a pas d'échelle là, on est d'accord là. Il y a pas d'échelle hein. Oh mais putain, t'es chiant. L'autre il fait de la voiture, je suis en train de travailler moi. Et bah c'est pas par là. Ma foi. Il y a un loot là au bout aussi. Il y a un loot au bout du côté du feu. L'escalier du boss, je l'ai pas pris. Mais je suis trop con. Mais évidemment. Non mais c'était pas un passage secret en fait, c'était le passage normal. Je suis trop con. Putain, je l'ai tanké grâce à mon chapeau. Mais il y a un feu là les gars, mais les gars, je ne suis pas fou, il y a un feu derrière ce mur. Non mais attends, c'est quoi cette merde? Mais non, mais je suis déjà monté là. Ah, tu penses que je peux peut-être... Vous pensez que je peux aller chercher la suite? Non mais j'aimerais bien regarder derrière le feu déjà. C'est ça? C'est pas ça? Ah ouais? Vous me direz après comment on fait? Mais c'est pas là le mur là, il est bizarre. Tu sautes depuis la tour? Depuis la tour? Comment ça, depuis la tour? Tu comprendras quand tu verras. Bon, par contre, il y avait que ça. La tour là-bas? Qu'est-ce que vous me racontez? Il y a un G là, j'avoue. Bon, normalement, je meurs pas. Hein. C'est les tours, j'ai le droit. Ça marche qu'à cheval? Je sais pas. Donc, go pas perdre ses runes. Alec. Ok. Donc là, en fait, de toute façon, demain, on fait ça, là. Cet endroit-là, là.
Donc dans tous les cas, demain à un moment on sera arrivé là et on sera remonté. Enfin on montera pas parce qu'on vient de le faire, mais t'as capté quoi. Sinon le lac je l'ai fait ou pas, je m'en rappelle plus. Donc là il y a le lac. Si j'arrive à monter à gauche, je crois que j'avais réussi à peu près à la zub. Non mais on s'en fout du dragon en fait, tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle, je veux même pas entendre cette musique, je l'ai entendu 15 minutes. Ah mais là tu vois je peux pas monter de l'autre. Oh ta gueule la musique, sérieux. Je suis en train de discuter avec mon chat là. Ouais, je peux pas aller de l'autre côté, donc peut-être que... On fait la même chose que ce qu'on a fait là, mais de l'autre côté. Non, je l'aime plus cette musique, je l'ai trop entendue. Ils l'ont trop utilisée, je le dis officiellement. Je crois qu'ils l'ont mis à chaque dragon en fait, ces connards. Oh, c'est quoi ? Attends, mais me dis pas qu'il y a, y a rien là. Non, mais s'il te plaît, l'oiseau, je suis concentré, j'ai un truc à faire là. Non, je vais me faire one shot. Putain. Ah, les oiseaux. Oh, je me suis pas fait one shot, what the fuck. Vas-y, je vais les amener autre part. Je vais pas me les faire là, je vais les faire avancer là pour partir. C'est. Oh, y a un truc de saut là. Vas-y, attends. Je me casse. C'est pas un truc de saut ? Mais putain! Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas un truc de saut de cheval ça! Mais quoi? Ok, c'est pas grave, on panique pas. Ça c'est quoi ça là? Ok. Oh putain, d'accord, baisse ta mère, la chèvre. Je savais pas que ça existait ça. Ok. Tout va bien. Eh oui Torrent. Tu reconnais des animaux de la même famille que toi, j'imagine. Bah c'est normal. Car tu es une chèvre, Torrent. Tes parents te l'ont caché, tout le monde te l'a caché. Malheureusement, je ne peux plus tenir ce lourd secret. Tu es une chèvre, Torrent. Ok, là-haut, il y a un... Il y a un truc, là. Et il y a un fuego. Un fuego, ici. Un fuego par ici. Quoi faire? Je renonce à mon œil. Bon, tu renonces à tout à chaque fois. Toi, tous tes membres, là, tu arrêtes pas de renoncer. Il sert à quoi ce fuego? Il sert à quoi ce fuego? Saute? Je pense pas. Hein. Ça me paraît bizarre que. Qu'il y ait un feu là, genre. Croix du panorama occulte. Ok. Je comprends pas trop pourquoi ils ont mis un feu ici en fait, je vous avoue que je capte pas trop. Eh, hey, on aurait pas un tableau là, presque? Non. On en serait pas loin, j'oserais dire. Pff, ah si, on est loin quand même. Pff, ah si, on est loin. Là c'est non. Domaine draconique. Incursion. Je trouve toujours pas le pont, c'est pas celui-là le pont, c'est sûr. On voit l'autre zone là-bas. C'est stylé. Putain, mais j'avoue, en fait, le feu, il est là pour voir une vue de malade, en fait. La vue est incroyable. On voit le premier château. Donc là. On voit le deuxième château bien plus grand. J'avoue qu'il est beaucoup plus grand, en fait, le château d'ici, là. Il est trop stylé, le château, putain. Il est incroyable, le château, en fait. Et là, on voit... Oh, c'est le chemin... Je suis sûr que c'est le chemin que je dois faire. Oui, oui, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu parmi mille. Ok. Bah, j'ai tout compris. J'ai tout fait bien. Le lac, c'est bon. Je peux enlever le ping. Je vais mettre un ping là pour ce qu'il faut faire demain. Et là, on va faire les ruines, du coup. Les ruines. Les ruines. Qu'est-ce qu'elle nous propose, ces ruines? Est-ce qu'on se régale?
J'aurais réussi à faire une fois dans ma vie un live avec que de la découverte et pas un boss qui prend l'entièreté du live. Je suis assez fier là pour l'instant. Je suis assez content d'avoir pu profiter. Titre de la vidéo YouTube, ce sera enfin un live découverte. What the fuck, il y a un trou là. Oh là, ça c'est pas bon signe ça. Ok, donc attendez, il y a un trou ici. Bon, je le retrouverai de vue, je continue à fouiller. Oh ! Oh les bâtards ! Ils ont voulu me tuer là ! Ah non, c'était pas profond. Putain, j'ai cru que c'était giga profond. Mais attends, mais la ruine elle est vachement dans le sol ! What ? Mais j'ai pas pensé comme ça moi. Elles sont à moitié souterraines les ruines. C'est marrant que je puisse garder mon cheval alors que je suis sous le sol. Oh merde, y'a des mobs. Oh putain. Attends, je vais partir. Je sais pas s'il y a pas un passage. Oh si, y'a un passage. Attends, je vérifie qu'il y ait pas un loot par ici. Et je descends. Bon, je devais pas descendre tout de suite. Je pense que j'aurais dû faire le top d'abord, mais bon. Je me suis un peu embrouillé. Faut bien commencer quelque part. Oh oui, non mais d'accord, mais c'est pas court en fait, les gars. Ok. Là, il y a un autre chemin. Oh ! On s'est tous fait avoir. Là, honnêtement, pas mourir, faut y aller, là. Hein. Je le dis, hein. Mais en fait, les ruines sont vachement plus souterraines qu'à l'extérieur, en fait. Après, je voulais quand même vérifier l'extérieur pour voir si on pouvait tomber. Mais en vrai, c'est depuis les ruines en dessous que je vais pouvoir descendre là, je pense. Mais je vais quand même vérifier le top. Vous voyez, on était là-bas tout à l'heure et là, je regarde à partir de là. Ah, ça stank, ça. Hein. Ça stank, ça, non ? Ah, on n'est pas loin de la tankiness, là. On n'est pas loin de la tankiness. Hein. Sur la maison, là ? Ça passe pas, là, sur la maison ? Oh, ça passe tous les jours. Hein. Ça joue à vraiment peu. L'illusion d'optique du jeu là. Alors là je vais devoir envoyer un mail. Il fait une illusion comme s'il y avait une plateforme comme ça. Non mais je suis obligé de revenir à l'endroit parce que vous allez me croire que je troll. Tu vas vite comprendre le problème je pense. Merci Kedox pour les 2 mois. 2 mois c'est sympa mais 3 ça serait mieux. Quelle idée de m'avoir connu que maintenant en vrai. Tout ce que tu rates. Ou alors, heureusement que tu m'as pas connu après. Ce que t'aurais raté. Genre t'aurais raté ce truc broken que j'ai inventé. Donc ça je vous préviens, si vous voyez n'importe qui tomber à cet endroit là, vous portez plainte, hein. C'est volé chez moi. Hein. C'est quelqu'un qui a regardé mon stream. Regardez l'illusion d'optique. Je suis un débile de viewer mais j'arrête d'être de mauvaise foi. Petit 1, j'ai l'impression que ce n'est pas le mur mais que c'est bien un endroit où on peut se poser. Petit 2, on a l'impression que c'est la façade et que ce n'est pas du tout rembourré. Allez, s'il vous plaît. Vous restez honnête. J'avoue. Merci. 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 On voit très bien que on a l'impression qu'on peut se poser là-dessus. Alors que c'est le mur, en fait. C'est pas ma faute. Bilan des courses. J'ai été encore pixel pangolin. Et je vais envoyer un mail. Hop là, le loot est récupéré, hein. Arc doré. Qu'est-ce que je l'ai ? Mais je pense vraiment... Vous savez que c'est pas si facile, hein. Je vous souhaite bonne chance dans votre run. Le taux de maîtrise qu'il faut est super élevé, ouais. Un trou là. Je mets la petite lanterne pour mes viewers. Arrête de chialer dans les grottes. Il y a un moment où ça suffit. Hein. Faut se ressaisir mon grand. Hein. Ok, il n'y a qu'un trou. Tape mur. Tu
penses là? Pas un monde hein. Tellement pas un monde frère. Grimpons à cette échelle. Regardez pas en bas quand c'est comme ça. Twingo. On y est. Village de Bonnie. Mais c'est pas ce qu'on doit faire maintenant. Ça, c'est toute la suite. Ça, c'est ça. C'est ça. C'est on passe le petit pont. On passe le deuxième petit pont, on monte, on va à gauche, on fait cet endroit-là, on remonte, et enfin, depuis le temps qu'on en parle, on monte ici et on fait l'aile droite du château fort. Ça, c'est banger. Mais avant, faut qu'on fasse tout ça. Mais j'ai pas terminé avec mes ruines. Vous l'avez peut-être oublié, l'autre trou. Mais moi, il est resté dans un coin de ma tête. Il est ici, mesdames et messieurs. Bah non, j'ai pas fini tout le château noir, je viens de te dire justement qu'il me manquait une aile. Et là, on est dans un nouveau trou. Je remets ma lanterne. Et là... Là, il y a en bas et il y a là. Ah non, mais attends, mais on est où là? Attends, mais là, on est où, là? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le trou numéro 2 ramène au trou numéro 1. Et le fond du trou numéro 1, également prenable dans, parmi le trou numéro 2 en revenant vers le trou numéro 1, amène en bas où on peut aller et... Ok. Donc j'ai tout fait, en fait. J'ai terminé. J'ai fait tous les trous. Il y avait que deux trous ou il y avait peut-être un troisième trou, peut-être, hein? Je sais pas s'il y avait pas un troisième trou dans cette histoire. J'ai l'impression d'avoir tout bien fait. Et ben on pourra pas dire que j'ai pas clear cette zone. Hein. J'ai été tellement clean. Hein. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un excellent live. Je vous fais des gros bisous. C'était Croco. Bonne soirée à tous.